Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle partie de Scrabble pédagogique. J'ai décidé depuis la dernière vidéo d'hier de les diffuser à partir de minuit pétant et ne plus attendre 7h du matin parce que ça n'a aucun intérêt finalement d'attendre. Et je vois que à minuit et demi, 1h du matin, il y avait déjà une quinzaine, une vingtaine de vues. Donc c'est assez sympa. Donc les couches tard pourront avoir la vidéo le soir même et les lève tôt le matin même. Donc finalement, tout le monde sera content. On y va, 3 minutes par coup, c'est parti. AD2IN2S, on essaie de scrabler, on commence, alors on a 3 voyelles, 4 consonnes, donc si on fait une terminaison avec conjuguée la plus longue possible, comme je le dis souvent, AIS, ben, il nous reste plus beaucoup de voyelles, donc on pourrait imaginer quelque chose comme DINCET, ou comme SINDET, mais SINDET ça prend un C, SC, INDIS, non, on va plutôt séparer les voyelles pour équilibrer, comme quelque chose comme DASINI, vous voyez. Malheureusement, je ne crois pas que ça donne de Scrabble. On va juste jouer dîner avec la terminaison AIS et c'est le top. On pense aux rallonges. Quelles sont les rallonges en 3 lettres devant dîner? Il y a la rallonge boudinet, du verbe boudiner, la rallonge jardinet. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être. Je ne les ai pas comme ça d'instinct, mais j'essaierai de penser à regarder au fur et à mesure de la partie. On a de très jolies lettres. La terminaison conjuguée la plus longue possible est au choix Eura pour le pluriel, pardon. Donc on pourrait jouer sur le D, A, Zodera, Ados, A, Adosera. Ça marche, alors avec comme ça. Hein. Je ne vais pas le valider parce que je voudrais vous montrer autre chose. Adosera, mais il y a une autre conjugaison longue, c'est As, le subjonctif imparfait. J'adorasse, que j'adorasse. Ça nous donne Adorasse ici. Voilà. Maintenant, on va pouvoir le jouer. Donc Adorasse, Adosera. Les deux font la même chose. Les rallonges, le I, le S. On rentre dans sa tête. IS. Dès qu'on a un I ou un S, ou les deux, hein, on pensera à jouer Adosera. Devant, est-ce qu'il y a un autre verbe en adossé? Je ne crois pas. Il n'y a pas de R en une seule lettre. On verra. Je ne pense pas, mais faut être vigilant. Pour ne pas rater ça à l'avenir. Ce qui serait dommage, c'est de rater la rallonge alors qu'on connaît le mot et qu'on n'a pas cherché. Si vous avez cherché, que vous connaissez le mot et que vous n'avez pas trouvé, c'est pas très grave. Au moins, vous avez fait l'effort de chercher. Mais si vous connaissez le mot et que vous n'avez pas cherché, vous ne pouvez même pas savoir si vous auriez trouvé. Voilà. Notez l'utilisation du « si » avec le subjonctif derrière. Juste, voilà. A, 2, E, F, Q, T, V. On a le « Q ». Alors. Pas de I, pas de S pour adosserai, pas de rallonge ici, effadiné, évadiné, étadiné, bof. Le F et le V, on essaie de le faire fructifier en marquant 28 points avec les cases bleu foncé, mais qui ne sont pas encore accessibles. Hein. Colonne 2, 6, 10, 14 et ligne B, F, J, N. Mais là, elle ne touche pas la grille, vous voyez, elle ne touche pas les mots qu'on a joués. On essaie d'utiliser le Q à bon escient, par exemple, en cherchant les I. Comme ça, ici, là, fac, par exemple. Boum, c'est le top. Les rallonges, le S, ici, sn. Alors, SN, c'est pas une séquence de lettres très, très répandue dans les mots de la langue française. Dans les mots autorisés, mais il y en a, hein. On peut donner snobé, pour prendre un exemple simple. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas une quantité astronomique. Derrière, QI, on peut mettre, je vous rappelle, le S, certes pour le pluriel, mais le N, kin. On pourra jouer éventuellement un mot ici si on a un N. Quelque chose comme won, W-O-N, par exemple, 20, 21, 22, et 10, 32. Sur ce coup, 2A, 2E, T, V, Y, pas de I, pas de S, pas de S, pas de N. On remarque que notre boudinet ne fonctionne plus. Jardiner encore moins. Je dis encore moins parce que fût a une petite chance de marcher un jour si on joue un. Par exemple, si on joue non, N-O-N, qui forme kin. C'est peu probable, mais pourquoi pas. Ou non. D'accord. On pourrait jouer ensuite boudiner qui fait fun, ça se pourrait. On n'est pas obligé d'envisager tout ça, mais on peut juste se dire, voilà, c'est pour l'instant compromis le Benjamin, rallonge de 3 lettres devant dîner, mais on n'oublie pas que ça peut arriver. Le Y, on va le multiplier autant que faire se peut avec les pivots, donc on cherche les A, le seul mode de lettre contenant un Y étant AI, AY, un vin d'AI en champagne. Alors ici, hop, qui fait na. Na, c'est le mot enfantin qu'on trouve beaucoup dans les mots croisés. Il vient na. Eh ben moi, je vais à l'école, na. Bon, ils disent pas trop ça. Moi, j'ai des bonbons, na. Alors, c'est souvent plongé en nananer. Nananer, pardon. Petite anecdote à propos de nananer. Dans l'officiel de Scrabble, le mot qui suit nan
N-A-N, le truc d'Inde, la petite galette. C'est Nana, donc c'est une rallonge en fait, c'est une nana. Et après, ça suit Nanan, N-A-N-A-N, je crois que c'est une confiserie. Et après, c'est Nananer. Donc on a Nan, Nana, Nanan, Nananer. C'est les mots qui se rallongent par la droite. Voilà. Ce n'est pas le top 44, pourtant, c'est très, très, très élevé ce score. Comment on peut faire plus? On a étayé comme, comme verbe ici, mais ça fera jamais 44. Ici, pour. Attends. Trey, Atrey, non. Sur le S, là, 44. 44, c'est énorme. On peut pas le ranger. Ici, F, non. Ados, c'est non. Ici, As. Le R, non. Etéya. Alors, avec le V, avoyer, non. Le F est toujours ces pigeons de malheur. A, Y, je vois pas comment on peut faire plus. 44 sur le A. Arvaille, Ervaille, Tervaille, va. J'ai pas beaucoup cherché. Hein. Texavri, Avera, Trey, Etéya. Ça fera jamais 44, Etéya. On a raté, ça fait. Ah, ici. Vaseille. Ah! Il fallait chercher un autre A pour un pivot. C'est dommage. Moins 3. Bon, on va dire que j'ai pas passé assez de temps pour chercher. 2-E-I-N-R-U-V. Alors, plein de mots me viennent. Je suis pas sûr que ça existe. Vénure. Mais je suis pas sûr. Bah, bon, moi, bah, c'est le top. Désolé de ne pas avoir passé plus de temps que ça à vous expliquer comment je l'ai construit. J'ai construit E-U-R. Comme terminaison, heure, j'ai construit donc ensuite vénère, envieur, vénère. Et quand, comme aucun mot ne me disait rien, je change heure en ur, c'est une autre terminaison avec les mêmes lettres, heure, ur. Parfois le heure est bon et pas le ur, parfois le ur est bon, pas le heure, ça dépend. Hein. Parfois les deux, hein, frayeur, frayure. Le J, toujours pas de N, de I, de S. Hein, voilà. Les rallonges pour Eteia, on a le S derrière Y, mais surtout ici, on a une collante incroyable qui pourrait vraiment marcher. NRG devant AY. Ok. Ici, Eteia, par exemple. Voilà, ça fait déjà un petit peu de points, 32. Mais c'est probablement sur le triple qu'on va réussir à marquer le plus possible. On va utiliser le J, jeter, par exemple, comme ça. Voilà, déjeta, ça fait un peu plus du verbe déjeter. Ensuite, sur le. Ah, pardon. On va penser au Scrabble. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours au Scrabble. On a deux U, je vous ai déjà dit. Quand on a deux U, on pense en priorité au Joker. Deux U Joker, hein. Q. Vous voyez là, boutique sur un O ou un Q. Ça passe pas, mais ça marche, ça fonctionnerait. Sur un X, donc quand on a deux U joker, on pense à QXG. Le X bitumeux, je pense que ça existe. Et G bugué, bon, apparemment ça fonctionnerait pas. Mais ce sont de bons réflexes à avoir. Sur le. Comment je peux vous faire trouver ce Scrabble? Je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est le top. Les rallonges, on va quand même reparler des rallonges. Déjeta, IST, comme derrière. Non. Derrière Adossera, ça donne IS. Et derrière Déjeta, IST. Bon, bah écoutez, pour scrabler, je vais plutôt chercher une consonne. Donc le N, ça c'est logique, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyelles. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait pas. On a presque Beautiful. C'est pas bon, hein, mais dans l'idée, on a presque Beautiful. Sur le N, on peut penser à une terminaison in. Et ça peut vous faire penser à tubuline, mais il faudrait que vous connaissiez le mot. Pardon, mais c'est pas évident, c'est pas tout à fait un mot connu. Non, c'est pas. Non, 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 du tout. Est-ce que j'ai un autre endroit pour scrabler l'os ici? Butumine. Je ne pense pas. Sur le i. Bof. Où est-ce qu'on peut. Sur le ra. Bureautique, presque. C'est marrant, ça. Ce serait marrant. Hein. Alors, comment on peut faire ça? Sur le r, non. Un scrabble. Alors, on va faire l'alphabet. B, C. A, pardon. C, B, pardon. C. Cucurbit, ça fait 9 lettres. D, E, F, G, H, I, J, K, J, K, L, M, bitume, N, O, P, Q, R, attends, le Q, boutique, Bratique, Kira, R, ça pue le R aussi, hein. Quelque chose comme butineur, mais ça fait moins.
R-S-T-U-R-S. V-W-X, on ralentit, Y-Z, butyrique. Butyrique. Non, là peut-être. Non, sur SE. On a un mot double là. Ici, alors c'est là. Hein. Je pense que c'est un scrap sec. Butique. Tubique. C'est bon, tubique? Non. Ubiquité. J'avais dit Joker Q, ça fonctionne. Hein. Boum, moins 14. Eh ben dis donc. 3T, on ne s'arrête pas là. 3T, ça peut scrabler quand même. On va chercher des terminaisons comme at avec beaucoup de T ou comme et. Il y a une conjugaison d'un verbe en ETER comme jette, il jette, vous voyez, ici. Alors on a target, c'est bon target avec deux T? Oui, c'est avec deux T, hein, target. Il y a même des verbes en. Est-ce qu'il y a des verbes en E, de T, A, T? Je suis pas sûr si. Recéter, du verbe recéter. Une sorte de recette, voilà, de recette. On a d'autres Scrabble possibles. Alors sur le A, faudrait un I devant ou un S. Non, je ne pense pas. Comment on peut faire mieux? Alors le S ici. Tresta. Trastet, bof. On a Atterra, juste pour vous montrer que ça fonctionne. On a même un petit peu plus avec Tartrate. Assez difficile et pas très connu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, je pense que c'est là. Non, on a déjà fait ici. Retater. Retate. Ah non. Retrait. Ça fait plus ou pas? Ah non, merde. Non. Pet. Comment on va faire? Ici, un i, vous croyez? Tani? Tani, je ne pense pas. Le f non plus. Hey. Retreya. Hey, pas loin. Ici, ça marche. Retrait. Ça fait combien? 70? Zut. Ah, ici, tratat. Vous voyez ici, là. ATES. Tratat, non, trartat, tartrat, justement, entarta. Faut beaucoup de T. Alors, sur le AY. Atreille, ça fonctionne pas. Non, non, non. Alors, sur le R, on a dit que ça marchait pas. Hein. Juste pour voir, ça fait plus ou pas? Ah, ça fait 72, donc c'est probablement là. Alors on va faire re. Non, c'est beaucoup trop de consonnes, je pense. Comment on va faire mieux? Bah, c'est. Ah, bah ici! Je suis débile. 74, zut. Et ici, Tersat. Tiatrat, hein, ça. J'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est AY. Ah non, ça fait plus ça. Ça gagne un point. C'est très difficile. C'est vraiment difficile. Ça fait trois coups que je rate, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que on est à 74. Il y a des places. AY qui fait beaucoup plus. Même le triple. Même si on n'y pas croit trop. On n'y croit pas trop, pardon. Joker S, c'est plausible. Donc moins 1, faut pas regretter. Alors j'ai raté trois coups sur 7, je pense. AY, c'était pas très dur, mais j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer. Ubiquité, c'est de ma faute, vraiment, j'ai mal cherché. Mais c'était difficile de chercher aussi sur une quatrième voyelle. Mais avec Joker Q, normalement, tu ubiquites, j'aurais dû y penser. Maintenant, on a le Z. On va chercher les places qui rapportent. Alors, les rallonges, hein. Ubiquité, le S. Devant à titre, il n'y a rien. Le S, le Z, on va chercher les E pour les conjugaisons. Ici, S, Z. Ici, pulsé, pardon. Fusée. On a le K qu'on va essayer de rentabiliser. Toujours pas de I, de S ici. Pas de. Là, et cadiné, et upadiné, il n'y a pas. Sur le F, en triple, funk, tout simplement. Comment on peut faire mieux que funk? On va chercher les A pour les pivots. Alors, ici, on a un joli pivot. On avait dit le K pour quête. Bah, K. Devant RA, on peut mettre que le A. Bon, il y a le I en d'autres circonstances, mais là, on n'a pas de I. Devant AY, on peut mettre soit le N, soit le R, soit le G. Là, on a le G, CAG, mais ça donne rien. Il y a un mot qui commence par KAG. Il s'agit de cagou. KAGOU, qui s'écrit également CAGOU.
qui peut s'écrire, pardon, et qui est un oiseau, l'emblème, qui est l'emblème, ou un emblème, on va dire, de la Nouvelle-Calédonie, terre française du Pacifique, qui a la particularité d'avoir un cri qui ressemble à un aboiement. On dit qu'il aboie. Ça fait un truc du genre... comme un petit chien qui apeurait. C'est un très joli oiseau. Je ne sais pas s'il est encore protégé, enfin protégé très certainement, mais s'il est encore en voie d'extinction ou pas, je ne sais pas. Gris, avec un très joli plumage quand il baisse la tête, une espèce de huppe. Je ne suis pas spécialiste, mais voilà. Et voilà, donc le cagou. Et quoi? Et ben voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le cagou? Rien. K-A-N, ça c'est un verbe, c'est pas du tout, c'est un mot. Les rallonges, derrière K-A-N, on peut mettre le S bien entendu pour le pluriel, le A pour cana, et c'est à peu près tout, je pense. On n'oublie pas le I ici, I-A, alors I-A pour commencer un mot, c'est peu probable, mais il y a au moins 3 mots qui commencent par un I, 4 mots qui commencent par un I suivi d'un A, il y a, c'est les premiers mots de la lettre I, il y a dans l'ordre alphabétique... Je dirais Yakout, I-A-K-O-U-T-E, qui s'écrit également Y-A-K-O-U-T-E. Yamb, Iamb plutôt, I-A-M-B-E. L'adjectif iambique, I-A-M-B-I-Q-E. Et enfin, iatrogène. Les autres, les premiers, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, mais iatrogène, ça signifie... je crois que ce sont les maladies causées par les médicaments qui sont iatrogènes, un truc comme ça. En tout cas, c'est voisin de ça. Peut-être pas exactement ça, mais c'est voisin de ça. On a un H qu'on essaie de faire fructifier. Ici, ça fonctionne pas, le pivot. Ici, il fonctionne pas. Ici, il fonctionne pas. Donc, les rallonges, hein, je rappelais. Et de, sur NAY, peut-être, mais pas tout de suite. Enfin, là, je vois pas trop ce qui vient. Le U, ici, pour Oud. Hein. Je peux jouer peu. Ça fait beaucoup de points. Oh, 26, c'est pas le top. Sur le F, fige, ça fait que 24. Flip, 27. Bien joué. Comment ça, non? Pardon? Alors, ici, pluff, non. Là, pludiné, pudiné, non. Plédiné, épidiné, non. Canne, cani, cané, canu, on peut y penser, mais ça ne fonctionne pas. Il y a le F, non. Alfige, non. Ici, peut-être. Et... Mais attendez, ça ferait des points, ça. Elige, ça fait pas assez, faudrait mettre le P et le... Ok, on n'y croit pas trop. Ici, non plus... comment on fait plus de points là? Ubiquité là? Non, le Z. T-E-Z. Bof. Pardon? Ados. Mais non. Quand? Là. Peney. Piney. Linei. In. Non. Bah, je vois pas du tout où est-ce qu'on. Je vais pas rater un cinquième coup quand même. Un quatrième coup, pardon. Si? Bah si, c'est bien parti pour apparemment. Le N. Pas. Ici. Là. Pluie camp. Non. Quête, il n'y a rien derrière en une lettre. Enfin, le S, mais on n'en a pas. Sur le F, comment on fait? Ben, peu, c'est quand même énorme. P-E-U-H-L, comme mot chelou, avec ses lettres. Perfusé, ici. Comment ça? Bon, c'est là, alors. Je vois pas. Alors là, je vois pas. Ah, ben, juste comme ça, Aleph. J'ai pas cherché un mot. C'est Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. C'est alphabet hébreu. Oh, c'est ça. Aleph. Qui est autorisé dans le monde du scrap. Peut-être dans le sens, le début de quelque chose, mais je suis pas sûr. Mais Aleph, pensez, associez-le à alpha. Les rallonges, bah le S. Est-ce que le S est possible? Je crois que c'est possible. C'est rentré récemment variable de mémoire, il y a quelques années au maximum. Voilà. À noter que je vous rappelle, les mots qui sont invariables par essence, outre les adverbes, hein, ce sont les noms communs qui sont invariables par essence, j'ai envie de dire par coquetterie, pour ne pas dire par pédanterie, parce que je pense que c'est juste de la pédanterie. Les notes de musique, les lettres des alphabets étrangers, xi, oméga, etc., et les points cardinaux. Il n'y a aucune raison stricte, on pourrait dire les nords, vous avez, ouais, chacun voit nord à sa porte, si vous voulez. On pourrait dire les huttes, utilisés par Bach sont beaucoup plus subtils que ceux utilisés par Mozart. Mais ut, on met pas de S. Cherchez pas pourquoi, c'est comme ça. On y va avec le X. Où est-ce qu'on va mettre le X? On a le I, il n'y a plus de Yalef, hein, Adosora là. On peut plus ici là. Moadiné, Ogidiné, non. Le X à côté des. Alors les lettres, déjà voilà, ici, les lettres bleues. Les cases bleues foncées, pardon. 6, ça fait 32. Oui, il faut comprendre cette phrase.
Ici, X, X. Ah, on a un N. Vous voyez, quelque chose comme Onu ferait un milliard de points. Quelque chose comme Cochonou, je sais pas. X, O, N, X, son, Goxon, Mox. Presque Boxon. Ici, Menux, Genoux. Eh oui. Ça prend un X au pluriel. Pourquoi il y a mon voisin qui se remet à faire des travaux? J'en peux plus de ces travaux. Oxy, XO, Uxinon. On a 32 points alors. Ici. Non. Ici, non. Là, on a fait toutes les cases bleu foncé. Et ici, peut-être Oxonium sur un O. Presse, regardez ça. Oxonium. Oh là là, c'est fou. Mais ça passe pas, ça fait Uma. C'est pas loin. Hein. Sinon, Jixon. Non. Xu, Xu. Non. Je vais pas rater tous les coups de la terre, si. Si. Ici. Et mieux. Mais 32. C'est beaucoup. Alors, Kin. On est d'accord que X-O-N, il n'y a pas. Hein. Ici. Xi. Bah, Xi. Et voilà. Hop. Facile. Des lettres. Chargées en consonne, mais qui se marient pas trop mal. Vous voyez, sur un E, on pourrait avoir Murgeon, du verbe se murger. Se saouler. Grumon. Gourma. Morga, bon, il y a Morga, ça fait 3 points. Je vous raconterai l'étymologie de la morgue. Pourquoi la morgue, c'est... Si, je vais vous la raconter, c'est trop beau. La morgue... faire preuve de morgue, c'est un peu se la péter. Et se montrer, se mettre en avant. Un petit peu, c'est à peu près ça. Voilà. Et la morgue, c'est aussi l'endroit où on entasse les... Enfin, on entasse, on range les... Je sais pas comment on dit. On met les gens là où, quand ils meurent. Et pourquoi? Quel est le rapport? Eh ben, c'est étymologique. Muron. Incroyable, oui. C'est parce qu'il y a une époque où il y avait... Alors, je sais plus laquelle. Il me semble qu'il y a une époque où soit il y a une peste ou une maladie infectieuse, enfin, une épidémie, soit une guerre, je sais plus, mais on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Et on n'avait pas le temps de les identifier, on ne savait pas trop. Donc, il y avait un endroit qu'on avait mis dans un hôpital, je crois. Oui, c'est assez flou comme anecdote, mais vous, faites vos recherches, vous allez voir l'histoire. Et on les affichait. On les mettait en scène et on les affichait pour que les gens puissent venir regarder les identifier. Et donc, c'est le fait de mettre en avant et de montrer, c'est la morgue. Comme quelqu'un qui fait preuve de morgue. Et le mot est resté. C'est incroyable! Voilà. Moi, je trouve ça incroyable. Sur le X, Gnoux, c'est pas bon. Choupou, genou, caillou, pou, joujou, hibou. J'ai dit dans le désordre. On peut ajouter ripou, tripou. Et ou, H-O-U, moi j'aime bien. Ici, on va mettre M-U-S déjà. Voilà, ça c'est le top. On a plein de O, pas du tout. On a Grognon presque. Ici, Goron. Je crois que Goron, c'est bon. Y a Gaudron aussi. Chaque ennemi. Non. Chaque ennemi de plus est un nouveau Gaudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car, pareil, en tout point, la fraise espagnole. La haine est un carcan, mais c'est une auréole. Alors, rien de plus. Sur le if, gros diff, dorif, rondif, ongif, gérondif presque, mais là ça fait que grondif, il manque une lettre. Grogna, mais ça fait 3 points. On a 18 points avec Goron. Alors, peut-être un D ici, Gorod, y a Gore, mais ça fait pas assez. Ici, Gogon, ça existe Gogon? Non. Non. Godon? Ah, Dogon, ça existe. Mercredi. Ça fait que 20. Et c'est pas le top. Ici, des... Comment on peut faire mieux? Ah, zut! Pardon, excusez-moi. Ici, là, Dono, N, O, on n'a pas le choix. Dono, Gono, Ron... Là, on n'a que 12. On ne marquera jamais 8 points. Si on tape Dogon ici, ça fera pas 20. Vous voyez que ça fait que 19. Sur le X, est-ce qu'on peut taper un mot? Je crois pas. Alors, les rallonges, elles sont les rallonges. Ubiquité, là, non. Ici, non. Ici. Dérogon, Dégron... Je ne trouve pas de mots. Comment on peut chercher mieux? Alors, Kin, mais j'arrive pas à marquer mieux. Dono, Gorono, Dorono. Pff, non, quête, pas de rallonge. Oh, mais c'est pas possible, t'es avec sa perceuse, là. Tous les matins, quoi. Ça commence à être un peu... dur. Rangon, Dergon, Arfin. Arfin. Akan, j'ai pas pensé au A devant Kan pour former Akan. Ah ben là, gif. Gaudron. Chaque année. Alors le gaudron, c'est, vous savez, les fraises, les vieux trucs là, sous le...
On voit souvent, je crois, comment il s'appelle? François Ier avec ça, non? Je suis plus sûr. Avec l'espèce de tortillon de tissu, là. Ben, chaque boucle, c'est un gaudron. Et Cyrano Bergerac dit, chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron qui m'ajoute une gêne, parce que c'est pas facile, et m'ajoute un rayon pour briller. Voici un nouveau tirage qui n'est pas trop avenant, mais qui permettrait de scrabler dans d'autres circonstances si on avait la place. Regardez, regimber. Regimber, je crois que ça veut dire renacler en parlant d'un cheval, c'est un peu ça, refuser. Je crois que ça, c'est à peu près ça. On a donc 24 points avec ça. Pas de A pour Hakan. C'est même c'est un peu frustrant parce que ça résonne et je c'est une derrière ah bah vitré vous en foutez mais je vais vous le dire quand même. Je m'en fous, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Il y a une immense cour si vous voulez avec plusieurs immeubles, donc ça se réverbère et résultat, je sais pas d'où vient le son. Donc on a le son et on a même pas le plaisir de voir la personne travailler, au moins de dire ah ben voilà, il travaille, tu vois. Bref, 24, on va essayer de trouver un mot ici, quelque chose comme herbine. Ça ferait déjà des points. 27, brigne, ça existe, une beigne. Je vais te mettre une beigne, bim, voilà. On a un W qu'on va essayer de faire fructifier, pourquoi? Bah parce que c'est le but du jeu quand même. Le W, on cherche les U, alors on a un U ici, on cherche un mot qui finit par W, il y en a. Par exemple, crow, ça fait déjà 32 points. On essaie de chercher, allez, ici 32 aussi avec WUS. Ce qui a mieux ici, non. Ici, no whiff, non. Là, non. Ici, recoupe, recompe, ça fera jamais autant de points. Ici, le U. WU, mais ça fait pas assez, vous voyez. Alors, warp, worm, vurm, W-U-R-M. Ah ben voilà, ça fait plus. Oh! Comment ça, non? Pardon? 37, les gars! Ça suffit maintenant, vous allez me... Mais... Alors, c'est vraiment une partie très, très, très poussive. Comment je peux faire mieux? Préconçu. Attends, là, même si on ferait promu comme ça, là, ça ferait que 28. Ah, ici... Ça pourrait, ça? Si on tombe bien. Crompu, ça ferait que 36. Vous voyez, si on optimise, donc ça sert à rien de chercher un mot. Comparu, non. Ici, picorme. Mais non, c'est pareil, hein, je pense. Ouais, 36. Je tape des mots au hasard, c'est juste pour savoir si ça fait plus. Pas besoin de compter comme ça. Pas besoin de chercher un mot, je veux dire. Ça sert à rien de se fatiguer à chercher un mot pour à la fin de se dire « Ah, bah zut, ça fait que 36 !» Il valait mieux y penser avant. Ici, world, en anglais. Alors, est-ce qu'il y a un mot avec le W? Allez, on s'accroche, Dico. On s'accroche, on s'accroche. Ici, cropo, copro. C'est pas encore bon, ça, wap. Où est-ce qu'on peut mettre le W? Ici. Il n'y a pas mieux que Vurm. La quatrième grande glaciation du Quaternaire. C'est la définition dans l'ODS. Mindel, Guns, Mindel, Rhys et Vurm. Les quatre, elles sont dans l'ordre alphabétique. Bon, je crâne, mais je trouve pas le top. Hein. 37. Ici. Copper. Oh, le mot qui sort jamais. Bon. Bien joué. Mouille, c'est la fête à la grenouille. Non. Bon, ben... Bah, ou on pourrait... bon, c'est juste que je pense à mouille. Ici, on pourrait avoir un mot qui finit par mu. L'ému, l'ému, mais il n'y a pas. Donc, on va taper juste ému. Ému. Et on pourrait jouer sur un N de Norvège, linoléum. Vous connaissez le linoléum, le lino, là, c'est l'espèce de plastique qu'on met au sol pour recouvrir les anciens parquets et faire quelque chose d'un peu plus joli. Quoique dans les années 70, c'était pas forcément super joli, mais très orange et marron. D'ailleurs, vous saviez que le marron, en fait, ça n'existe pas. C'est juste du orange, mais il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Il n'y a pas de marron dans le spectre de la lumière visible, ni de rose d'ailleurs. Le rose n'existe pas, c'est une perception. Mais toutes les couleurs sont des perceptions. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que c'est une couleur. Essayez de définir une couleur dans votre tête. Ça va être dur. Hein. Et donc, linoléum, qu'est-ce que ça veut dire? Lino, L-I-N, c'est le lin. Et oléum, c'est l'huile. C'est de l'huile de lin. Voilà. Et ouais, exact. Alors, mouillure.
Mouillure, c'est dommage. Comment on peut faire ça pour faire mieux? On a déjà 22 points. Est-ce qu'on peut marquer plus? Évidemment que oui. Sinon, on ne serait pas en train de chercher. Remeuillu. Moge, Muge. Ici, il n'y a pas. Comment on peut faire mieux? Ah, y a... Alors, c'est Imu. Mais non, mais c'est que Imu, forcément. Limu, Olimu et Limu. Adossera, Cara, non, non, Ketakan, non, ici, là, non plus. Alors, où est-ce qu'on peut faire plus de points? Sur le B? Booming? Non, ça n'existe pas. Bouyim? Et ici, Mouyu? Huyé? Thèse? Où est-ce qu'on peut marquer des points? Ah, ben, Kin, ben non, toujours pas. Et Teya? Ici. Ça va être là. Émiole, Omille, Ouille. Oh! Bon, bah, faut trouver un mot ici. De 6 lettres avec le M. Oléum, par exemple. On va enlever les lettres une par une. Non. Non. Oh, ça pue, ça. Hein. Mais non. On enlève le O, pardon. Non, et le. Omille. Je pense que c'est là. Ne dites pas que c'est Mouille qui passe et que j'ai pas vu, hein, sinon ça va m'énerver. Hein. Ah, j'ai pas vu Mélo. Coucou Mélo. Mais personne n'a douté que tu faisais des super performances avec ou sans ton chéri. Hein. Bon, elle comprendra, vous comprendrez peut-être. On recommence, pardon, parce que la partie n'est pas finie. Moi, je discute, mais il reste encore plein de voyelles et j'arrête pas de parler. On recommence ici avec Mu. 17 points, décidément. Ici, Mine. Ça fait 18 points. Ici, là. Mais. Mei. Méline, ça n'existe pas, Méline. Non. Méniel, Ménuille, Ménille. La partie la plus poussive du monde est en train de se jouer devant vous. On va aller tranquillement. Ici, nu, ça marche pas. Ah, ici, le N. Alors, O, N, E, on va dire. Bon, déjà, limon, ça fait combien? Voilà. Mône, c'est pas bon. Monel, ouais, malheureusement. Laune, 17. C'est insupportable. Je ne trouve pas. Étayé, non. Akan non plus. Elle non plus. Non. Chut. Là, nulté. Là, ni. J'avais pas pensé encore ici. Néni, Munéni, Mélin, Mulin, Muli. J'ai aucun mot. Y a pas Méline avec deux L. Mais non, n'importe quoi. Je le saurais si ça existait. Mône, Imone, Emone. Ah, je suis un peu saoulé de cette partie-là. Allez, on s'accroche, bon sang. Lyon, Ulon, Mulon, Milon, Limone. C'est pas bon, limoner. Ah, si, c'est rentré le verbe limoner. Avant, ça n'existait pas. Oh, désolé. On va tout de suite sur le L. Je vais essayer de marquer, de taper un peu plus vite les mots. Là. Sur le B, non, il n'y a pas. Ici, il y a Senel. C'est pas bon, Senel? Si, ça rapporte 22 points. On peut mettre un. On a dit qu'on pouvait mettre un S. On va le faire. 23 points. Le S, ici, ça fait moins. Ici, NE. Non. Copper, sec. Peut-être. Attendez. S. Un petit peu mieux du genre. Sel, ça fait pas plus. Non, ça fait. Ah, si, ça fait. Mais c'est pas bon. Séné. Et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir toujours son encensoir. Non. Et d'honneur de s'aîner par désir de. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir toujours. Avoir. Oh merde, j'ai oublié cette réplique. C'est dans les noms, merci. Alors, d'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on a. Cependant que de l'autre on arrose le chou. Et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir toujours.
son encensoir dans quelques barbes, un truc comme ça. Voilà, c'est fini. On va regarder vite fait la partie parce que c'était vraiment poussif. Dîner, bon, adossera, adora, s'il y avait assonnera, je vous en ai déjà parlé. Assonner, dissonner, consonner, les trois verbes avec un seul N et participe passé invariable. Le petit fac qui fait plaisir. Étayer que j'ai raté à 3 points. Vénure, il y avait également en suivre et vénure au pluriel, mais bon. Déjeta, bedo, qui est un prêtre, je crois, et non pas ce à quoi vous pensez. Non, non, on ne fume pas ici. Ubiquité, tubuline, butineur, j'avais 2 scraps sur 3, manque de bol, celui qui manquait rapportait 14 de plus. Atterra était le sous-top à moins 1, attira, atterra, attraite, du verbe attrayer, attraire, je pense. Fusée, bon, bah, c'est le Z en conjugaison. K-A-N, quand, c'est le pivot, avec ce fameux quête, ce petit enfant turbulent, je crois. À Bruxelles, Aleph rapporte 3 points de plus que Flip. Xi, le X sur la case bleu foncé. Mu, simplement le S à Caen. Gaudron, hein, je vous ai dit, c'est les petits ronds, enfin les petites boucles de la fraise qu'on portait il y a longtemps. Une beigne, bim, ça c'est un grand coup. Copper, je ne sais pas, je ne sais plus ce que c'est. Vous regarderez la définition que je vais mettre dans la description. Pensez à vous abonner pendant que vous y êtes. Mélo, 23. Ému, 22. Limone, c'est un verbe, 21. On continue avec value beaucoup plus simple que le début de la partie. Séné, on met un S au bout du mot qui rapporte beaucoup. Et enfin, hélico qui m'est venu un petit peu tout seul. Il y avait Locke qui était un petit peu caché. C'était une blague. Locke caché, etc. Si vous avez compris, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous fais des bisous.